suis venu te sauver. Salut, Outaimé. Bah, tu pleures? Dans tes rêves, le gros naze! C'est quoi ces manières? Satoru! J'avais pas besoin de ton aide! Je tiens à ce que ce soit clair! T'en as pas marre de t'acharner sur les faibles, Satoru? C'est nul. Oh. Salut, Outaimé. Ah, je commençais à m'inquiéter pour toi. Oh, Choco! Promets-moi que tu ne deviendras jamais comme les deux autres. Je suis pas une tête à claque. Ça va s'écrouler là où Outaimé est passé. Fais attention. Ouah, comment t'es trop méchant. Dites les jeunes, vous avez rien oublié? Et le rideau? Oh. L'un d'entre vous avait promis de s'occuper du rideau une fois sur place. Sauf qu'après, ce même élève a oublié d'abaisser le rideau. C'était qui? Monsieur! On balancera pas nos potes, c'est pas notre genre! Donc c'était toi. Elle s'est réveillée. Ne touche pas! Bande de sales types, cassez-vous! Je vous promets que vous mourrez avant de réussir à me tuer! Tu n'as rien à craindre. On n'appartient pas au groupe qui t'a attaqué, Rico. T'as une tête de menteur en série avec ta mèche de cheveux trop chelou! Bande de sales irréfugiés! Je t'explique. Je suis Tengen, et lui c'est moi. Y a pas de vraie distinction entre nos deux personnes. Mon âme, mon esprit et toutes mes pensées. Ils perduront dans son corps pour l'éternité. T'as changé le fond d'écran? Ouais, c'est Waka Inoue. Je vous parle! Quelle attitude pareille, tu dois pas avoir beaucoup d'amis. Rico! Non, non. Est-ce que c'est ton chéri, Rico? C'est juste un cousin éloigné, rien de plus. Enlève tes lunettes, s'il te plaît. Non mais tu vas arrêter de te la péter. T'as vu un cocombe de mer? Quelle